Pareil, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si le contenu te plaît et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. N'oublie pas le petit pouce bleu sur la vidéo si elle te plaît et aider au référencement. Également de partager la chaîne sur le réseau de ton choix pour augmenter la visibilité de ma chaîne. Merci. Hey, bonjour à tous, toute nouvelle vidéo sur Dokken Battle. Donc aujourd'hui, on va invoquer sur le portail sublime... du nouveau Vegeta et celui de Ange qui est sorti. Donc on va regarder un peu le détecteur, voir ce que ça donne. Donc bah forcément on le veut, hein. C'est principalement lui qu'on vise. Lui on s'en fout, on a déjà deux doublons dessus. Lui Osef, 100%, 100%. Pas 100% mais Osef. 100%. Osef. Je l'ai pas, la rigueur en... Pourquoi pas le choper. Osef. Je n'ai pas de doublon, pourquoi pas. 100%. J'ai un doublon, mais Osef. Et le reste, c'est du SR. Donc, on va invoquer maximum 200 DS. Maximum, hein, je dis bien. Ça dépendra surtout des drops. Quoi. Pour que ça ne nous fasse pas les 5 ans partie 2, parce que 5 ans partie 2, on s'est fait shaft comme jamais. Krillin c'est 18, ok. Par contre c'est en train de laguer. Non, ça sert d'être revenu. Donc on a un détecteur de garantie là. C'est pas que ce soit le LR. Hein. C'est 19, il a pas switch. Donc, je crois que c'est pas sur cette position qui switch. Ok, c'est le junior. On a toujours pas vu notre détecteur. Non, putain, il détecteur. Le genre de multi que je regrette amèrement d'avoir fait. Oui, non, je n'ai que la deuxième. Oh, Vegeta. Oui, LR. Yes. Yes, LR. C'est un vrai Vegeta. J'ai pas cru, hein, parce qu'il a dit Kamehameha. Hein. Donc, franchement, je suis content. Là, j'ai un LR en 100 DS. Donc, on va s'arrêter là après. Un hein. LR en 100 DS. Sauf si c'est un LR que je possède. Pas non, j'ai aucun LR 100%. Voilà. J'ai aucun LR 100%. Mais si possible avoir le nouveau ou alors comment il s'appelle, Goku King qui lance, ça serait cool. Non, lui il est pas LR. Le stress. Allez. Non, pas lui. J'ai déjà deux doublons. Lena. Je pense à Lena, une modératrice de la chaîne d'Anto. Qui me l'avait prédit, ce Gohan LR. Oh mon dieu. Ah, je peux pas rester sur lui. Il est déjà avec deux doublons, ça fait trois maintenant. C'est un CDG, on y croit. Ça peut être LR. Mais pour l'instant, c'est le détecteur. Ou trois SSR. Ok, c'est du 3. Allez, donne-moi LR. Mais non, j'ai de la 100%. Putain. Ouais, lui. Oh. Ok, lui, il veut bien. C'est l'un des seuls DB fusion qui me manquait. Osef sur 20, Osef total, mais c'est juste pour la collection. Vous pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas. Ouais, bon, l'animation éclatée au sol. Ah, et c'est Ligod, du coup. On va avoir 3 SSR. Espérons un LR. Un Guldo,
Non, par contre, je veux bien le Dabra SSR, le jeu, s'il te plaît. Tant qu'à faire, si tu me donnes le SR, donne-moi le SSR. Mais non, pas lui, mais. Pour vous dire, tellement que, que je le drop, ce qui boue l'unité là, que je monte sa spé avec ses doublons. Oh! Oh, très bon hors détecteur, je l'avais pas. Ok, ça va. Je l'avais pas, c'est bon. Oh, cool. Excellent. Du coup, franchement, c'est. On va dire, franchement, c'est ça reste correct niveau drop. J'ai droppé des cartes que je n'avais pas. Bon, mis à part le LR que j'avais des legs de doublon, mais bon. C'est parti des aléas. Tant pis. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo à vocation vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!